vidéo à la YouTube maintenant. Je te couvrais tout ce qu'une YouTube, elle. YouTube. Non, vous Hours later. Bon, on est bien arrivé à Oujda. Salut tout le monde. C'est la nouvelle rencontre de l'avion. Voilà, c'est voilà. Ma... Je sais plus non plus. Ma coéquipière. Bref, on était à côté quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on rentre le même jour. Oui, et on rentre le même jour. Donc on est bien arrivé à Oujda, il fait chaud, il fait beau. Maman, tu es contente? Coucou tout le monde, on est arrivé, alhamdoulilah. Salam alaikum. Ok, tu vois avec les montagnes, c'est l'Algérie. D'accord. À Marjane et du coup j'ai trouvé du shampoing ultra doux à l'huile de nigel. Kader, c'est ça son kit de propreté. Ça c'est pour une semaine. On est à Marjane, on est avec oui, le petit frérot là-bas. Voilà. Franchement c'est stylé, hein. Il y a des trucs version rebeu. Zitron, Zitergen, voilà quoi. Ça c'est la boisson terrible. Oh mais rien d'apôme, regarde. Franchement, c'est un truc de fou. Ça, c'est la boisson du Brésil. T'as vu qu'on a parlé du Brésil? Ouais. Damash Webs. Oh, les bonbons, j'avais pas vu. On peut claquer. Les bonbons. Watas. Bon, alors, franchement, ils ont toujours des Pringles. Bon, du coup, on n'a pas eu le temps de vous parler vraiment. Du coup, on est arrivé au Maroc. On va rester une semaine à Berkane City. Du coup, c'est la ville de mon père. Et du coup, on vient pour voir la famille, etc. Pour voir des maisons où on n'a jamais été auparavant. Enfin, moi, en tout cas. Et Kader, c'est la première fois qu'il rencontre ma famille. Voilà, c'est ça. Moi, c'est la première fois. En plus, moi de base, je suis de Casablanca. Au nord, j'étais allé à Tanger, mais jamais ici. Du coup, voilà, c'est différent, etc. Du coup, là, on est arrivé, on s'est un peu posé, on est parti. Marjane, c'est à Marseille, c'est Marjane. Ah. Et on a pris des petits trucs, beaucoup à boire. Donc c'est vrai que. On se fait juger, non? Ouais. Et on a pris des SIM, donc on a pris des Maroc Télécom. Voilà. Ça coûte pas cher. L'accès, etc. Genre si vous allez au Maroc, ça coûte vraiment pas cher. Genre en gros, pour 10 gigas, on va voir ce que ça donne parce qu'on a peine de les mettre. Pour 10 gigas, une puce et 10 gigas, c'est à peu près 10 euros. Voilà. Donc ça va, c'est plutôt correct pour un mois et tout. Il y a des appels et tout. Mon visage, il est gonflé, je le vois là. Mon œil, il est gonflé. Donc voilà, moi j'ai pris du gel douche. Ah oui, du gel douche à l'huile de nigel qu'on vous avait montré. Voilà. Ouais. Et j'ai pris du brut. J'aurais jamais cru, mais voilà. Mais ça a l'air d'être une bonne odeur, c'est au musc. Au musc, ouais. Mais moi, mais voilà. Ouais. Voilà, on va essayer de vous montrer. On va essayer de vous montrer un peu. Moi, je suis en découverte. Mmh. Et Sarah aussi, parce que moi, je suis en redécouverte, ça a beaucoup changé. Mmh. Cette maison-là de mon père, j'ai jamais été, j'avais été dans une autre. Mais celle-là, c'est la première fois que j'y viens. Et du coup, découverte. Voilà, bon, à toutes. Bye. Ciao. A few moments later. Je vais divorcer comme ça, c'est pas ta maison.
Oh, c'est trop fort. Oh, t'avais peur le signe du Christ. J'ai mal là. C'est le fanta, il est trop sucré. J'ai mal. The next day. Nouveau jour. Un seul mot. Kader essaye de voler ma mère. Kader essaye de voler ma mère. Il est très loin. C'est la sœur de sa mère. C'est pas sa mère. Non, c'est sa grand-mère. C'est la grand-mère. Alors, vous êtes content avec elle ? Oui, ça va, il est sûr. Hein. On a pris le petit déjeuner ce matin. C'est très bien, Casablanca, c'est bien. Fais les rêves vidéo, Olia. Non, mais oui. Ah. Donc là, je ne sais pas où on va, donc je ne sais pas où dire où est-ce qu'on va. On fait ça à chaque fois. On ne sait pas, on est une devinette. Mais en tout cas, le paysage est très beau. Oui, le paysage. Ouais, je vous montre. Parti en fait à Cap de Loup, c'est un endroit où il y a un port, etc. etc. Je vous ai pas filmé, mais j'ai mis sur Instagram, donc je mettrai une bulle permanente sur Insta si ça vous intéresse pour que vous puissiez voir. Et en fait, ici il y a beaucoup de poissons frais qui est très très bon. Regardez au bout là, mon père et son frère, de dos on dirait pas des jumeaux, même démarche, même gabarit, même tête. Je vais pas vous montrer leur tête, mais voilà quoi. Enfin bref, et du coup. Genre ici c'est très connu pour le poisson, genre c'est vraiment du poisson frais qui est très bon. Genre vous avez un plat de poisson pour à peu près 3 euros, donc c'est vraiment pas cher. D'ailleurs j'ai les deux là, les deux copines. Les deux ils sont devant et moi je suis solo, enfin je suis avec vous du coup. Mais ouais, franchement le Maroc c'est vraiment un retour aux sources. On voulait le faire depuis longtemps pour mon père, pour retourner avec lui, on y allait tous les ans avant quand on était petit. Mais bref, depuis que je m'étais mariée, on s'était dit on va y aller, mais mon père il a eu des petits soucis de santé, donc on attendait qu'il se rétablisse. Et là, alhamdoulilah, donc on est là. Ça fait bizarre de voir des têtes que j'avais pas vues depuis des années. On a pris ça, c'est Berkane. Mais là, c'est revisité. C'est spécialité de Berkane. Kader, il va goûter. Ouais, c'est pas avec la spécialité. Ouais, attends, il y a la marche. Vas-y, tu peux prendre. Donc voilà, on va voir. Ah, tu vas pas goûter maintenant, je crois. Hour later. Question de papa ici c'est quoi, c'est jour tiers? Ouais, bonne soirée. Jour tiers. Elle marche au soleil. Elle sort. C'est 11 euros. C'est fou. Vous avez vu? Votre ticket sera thank you.
alors du coup là, mon oncle nous a prêté la voiture, Créateur l'a conduit, un petit peu craignette. Pardon? Ma mère, non. Genre en mode on a peur que... il y ait des gens qui conduisent mal autour de nous quoi. Voilà, Balkan City. Voilà, là je vais aller chez la coiffeuse du coup. Question, je vais traverser n'importe quel main. Je veux me faire un brushing parce que j'ai les cheveux sales. En fait, faire un brushing ça coûte moins cher que d'acheter un shampoing. Donc du coup, je trouve que c'est mieux de faire un brushing. The next day. Quand on était petit, avec ma famille et mon frère Emin, du coup, si tu regardes la vidéo, il avait boudé. Et du coup, mon oncle, il appelle cette place Emin. Des pigeons, je crois qu'ils appellent ça. Avant il y avait des pigeons, mais là il y en a plus trop. Voilà, ma dream team. Voilà, vous êtes dans un site d'intérêt biologique et écologique de Bénis Nelson. Bien sûr, voilà, il faut respecter le domaine. Les deux ils sont toujours en guerre là. Les enfants, j'ai l'impression d'avoir deux gosses. Là, je sais pas ce qu'il y a écrit. J'avais fait des cours d'arabe quand j'étais plus jeune, mais là faut que je me concentre. Je m'en rappelle plus, enfin, j'ai pas une bonne mémoire. Voilà, c'est super beau. Il y a la grotte du Jimo. On est chez Mouktoum. فيه لي سيتير سبحان الله خيطوها لي بوك حيت الطب حنا العرب اللي درناه ما عرفناش سي زونتاندي ما مير ما مير elle aime trop faire madame je sais tout c'est trop drôle c'est impressionnant et en gros là mon oncle il expliquait que ici ils ont trouvé genre le corps le plus ancien sur terre quoi et en fait à l'époque ils avaient trouvé qu'il avait fait des points de suture dans le crâne. Donc du coup, avant, ça existait la médecine sans même qu'on sache vraiment, quoi. Et voilà, du coup, la grotte des pigeons. Comme vous voyez ici, voilà, des pigeons par-ci, des pigeons par-là. Voilà, quoi. Désolée pour ceux qui comprennent pas l'arabe, du coup, mais voilà, quoi. Des fois, je vais essayer de vous traduire. Donc là, on est arrivé tout en haut. Franchement, trop belle vue. Je vous ai mis plein de trucs sur Insta. C'était magnifique. En fait, là, c'est Tafuralt. Bon, déjà, je suis en train de tuer mes dunks. Ici, ça s'appelle Tafuralt. Donc ça, c'est un mouvement. Et en fait, c'est le ministère de l'Agriculture, etc. En fait, c'est une espèce rare, protégée par l'UICN. Je sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est très, très rare. Quoi. Et il y en a ici à Tafuralt. Tafuralt. Franchement, faut venir en voiture, hein, parce que sinon, voilà. Et une bonne voiture, parce que... Les routes, ça va, elles sont pas mal, mais comme vous voyez ici. Mais par contre, il faut aider avec bête, quoi. T'aimes bien ta forêt? Magnifique. En fait, dans ce vlog, c'est le vlog retour aux sources. Hashtag la GLC Family, ils avaient fait ça. On dirait une pembèche avec Marinette Céline. On m'entendrait. Mais d'un coup, c'est vraiment duche. Il m'a dit, on dirait une duchesse. Ouais, donc ce que je voulais dire, peut-être dans le titre, vous allez voir vlog au Maroc, vous allez vous dire, ouais, c'est Marrakech, c'est là, Mala, c'est ici, c'est là. Non, ici, on reste terre à terre. Oui? Attendez, une star. Regardez, regardez quand je vous ai terre à terre. Avec elle, vous pouvez pas, hein, vous pouvez pas prendre la grosse tête. Regarde, elle court. Oh, je suis la plus jeune du groupe, j'ai trop mal au genou. Et j'ai un nerf qui me lance derrière. Bref, voilà. Voilà, faut pas avoir peur.
Moi, je marche doucement parce que ici, c'est je chute, frère. Pas me faire opérer le genou ici. Mais voilà, non, retour aux sources. On est venu ici pour déjà à la base pour faire plaisir à mon père. Et pour nous, enfin, moi en tout cas, parce que Kader n'est pas lycée, revoir un peu là où on venait tous les étés quand on était plus jeune. Ça fait du bien. Et même l'air, il est tellement, tellement pur, tellement agréable à respirer et tout. C'est important de venir, quoi. Petite dédicace, ici, on est dans la commanderie de je sais pas quel club. Regardez déjà. Allah el-Watan el-Malik. Et ensuite, genre là, vous voyez un petit stade. Et en fait, c'est une équipe connue, apparemment, qui vient s'entraîner ici. Kader, tu connais pas l'équipe ? Là-bas, c'était un ancien camp militaire. Ouais, camp militaire. On a entendu des coups de feu tout à l'heure, donc bon, peut-être qu'il y a toujours des gens. En fait, ce qui est beau ici, c'est que t'as des beaux décors et t'as de l'histoire, etc. Mm. Et heureusement qu'on a la maman de Sarah qui est un puits de science, dédicace à elle, qui nous y raconte et explique tout. Tu veux dire ce que tu veux dire? Non. Bon, mais dommage pour bien moi. Bien sûr, ils s'en foutent de notre vie. Voilà. Voilà. Et... En fait, on est les deux gros qui marchent doucement. Et on fait des randonnées en dunk. Oui, comme je l'ai dit. La Coast North Face. Ce qui est bien, c'est qu'ici il y a tellement de faux que Kader, personne ne le prend en sérieux. Tout le monde croit qu'il est bien en faux. Mais après, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'on fait des randonnées les plus improbables. On fait des randonnées dans des patelins. Mais rien à voir. Là, il y a des maisons, mais on marche. Rien à voir. Quelle vie. Mais c'est cool, hein. Franchement, c'est une bonne. Tu regrettes pas d'être venu à Berkane City? Ah non, on a ta forêt. C'est quoi ça? C'est une bombe là? C'est pour de l'eau. Hein. Frère, on va monter tous les escaliers là, moi j'ai mal aux genoux. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur la carte. Berkane, c'est ici. Mais nous, on est là. Et nous, on est là. Et donc, nous, tout à l'heure, on était à la grotte des pigeons. En fait, c'est bizarre parce que nous, Berkane, c'est là, mais on dirait qu'on arrive par là. Bon, bref. Oui, parce que Berkane, en fait, ils disent vers Berkane. Berkane, c'est plus haut. Ah ouais, donc nous, on est venu de ce côté-là. Ouais. Et on est passé devant la grotte des Chamois, mais le site il était fermé. Du coup, on n'a pas pu y aller. Du coup, voilà. Et je pense que nous, on est là et on va manger vers ici. Il y avait on des va y aller parce qu'ils ont déjà pris la fuite. Ils sont partis, ils sont tous regardés, ils sont. On va accélérer parce que moi, je suis handicapé. Allez, go. A few moments later. Là, une sorte, mais tu peux manger. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. 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 Là, on a mangé dans un truc comme ça, très traditionnel. On a mangé comme je vous ai montré. Voilà, le nom du restaurant c'était celui-ci. Restaurant Teforet. Ah, ils ont un compte Insta, voilà, vous l'avez. Franchement, il n'y a pas beaucoup de restos, donc je pense que vous le trouverez rapidement. Vous avez la voie principale ici, et du coup, vous rentrez. C'était très bon, c'était pas cher. Pour 5 personnes, c'était l'équivalent de 40 euros. Donc franchement, vous avez vu ce qu'on a mangé et tout. Et c'était très bon. Ouais. Et surtout très très bon, naturel, trop bon et moins cher. Ouais, c'est pas cher. Et un accueil magnifique. Je vous reprends en direct du Star. Le Star, en gros, mais ils sont fatigués. Le Star, en gros, si vous voulez, c'est genre le toit d'une maison, mais pas vraiment le toit, parce qu'en fait, bon, c'est le niveau le plus haut d'une maison au Maroc. Sauf que souvent c'est aménagé en fait. Vous avez par exemple là chez mon père, vous avez genre un coin de cuisine, une chambre et du coup un espace comme ceci, comme vous le voyez, où genre vous avez beaucoup d'espace pour faire ce que vous voulez, des grillades, décider là plein de choses. Et du coup, ben cette fois-ci, du coup, nous c'est la première fois qu'on voit cette maison là. Kader, du coup, c'est la première fois tout court qui vient ici. Et là, je viens de faire un tour guidé de la maison à mes frères et sœurs parce que du coup, ils sont jamais venus. Et moi, c'était la première fois. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment les maisons typiques. C'est lui et son frère qui ont choisi un peu ce qu'ils voulaient. Je fronce les sourcils, je suis pas énervée. C'est juste que
y a le soleil. Il fait super beau, franchement, il fait vraiment super beau. C'est juste que comme la maison est neuve et a jamais été habitée, mais forcément, les murs sont froids et qu'on est en janvier quand même. Mais voilà, ça fait plaisir. On a une mosquée juste en face là. Je sais pas s'il y en a qui vont connaître l'adresse. On a une mosquée juste en face. Et pour la petite histoire, je sais pas si j'ai déjà dit dans le vlog, mais en fait, mon père, il a fait construire cette maison collée à celle de son frère. Son frère qui est avec nous là, qui lui ressemble. Et du coup, c'est trop marrant parce que les maisons, elles se ressemblent beaucoup, forcément, que c'est des frères. Et elles sont vraiment collées l'une à l'autre. Donc du coup, même si mon père, il y habite pas, alhamdoulilah, genre c'est safe, quoi. Il prend pas trop de risques vu qu'il y a tout le temps des gens qui habitent à côté qu'on connaît, quoi, notre famille. Donc ça, c'est cool. Enfin, voilà. Je vous montre un petit peu, je vais vous faire visiter toute la maison, mais je vous montre un petit peu les maisons typiques du Maroc. Ça là, c'est le carrelage typique du Maroc. Et encore dans notre première maison, genre le stage justement, il est immense, genre immense. Et du coup, beaucoup de souvenirs là-bas. Et demain, normalement, Inch'Allah, on va aller dans la maison de ma grand-mère, Laïhamha. Putain, je sais pas, tellement ils parlent tous trop bien. Je sais plus parler ici. Enfin bref, voilà. Je vous partage pas trop les moments en famille parce que j'ai pas trop envie de montrer la tête des anciens. Voilà quoi. Bon, bye.